Salut tout le monde, je suis Ina, la seule et l'unique, et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le temps attendu. Le temps, non, en fait, j'ai pas réfléchi à d'autres rimes. Donc aujourd'hui, on va aller botter les fesses, une bonne fois pour toutes, à Risky Boot, même si on va les laisser en vie pour qu'elles reviennent nous emmerder, parce que on veut plus de Chantae, nous. Bref, direction la dynamo modifiée par le grand-père sous les directives de involontaires de Risky. Direction le combat final. À toi juste là, Risky. Pirale, je croyais qu'un modèle de vertu comme toi trouverait un moyen d'inverser les effets de la magie noire. Je t'assure, maintenant le processus est irréversible. Où est la dynamo, Risky? Tu verras bien assez vite. Ce sont les soins quotidiens de mes Tinkerbot. Mes hommes ont travaillé sans relâche pour déverrouiller le potentiel de la dynamo. Ce sera au-delà de tout ce que ton oncle et ses petites ambitions n'auraient même pas pu imaginer. Mais jusqu'à ce que leur travail soit terminé, je ne te permettrai pas d'intervenir. Risky Boots, à nous deux. La reine des sept mers. Waouh. Coucou ma belle. T'es une super pirate, mais arrête de marcher. Aïe. Non mais arrête. Aïe. Tu sais que je suis en train de te taper. J'aime pas ça. Tu veux bien arrêter de courir partout, s'il te plaît? Ça va, tu... Merde. Je pensais qu'elle en fait encore un. Wow. Non mais tu t'amuses. Ça va, si je suis assez proche et à Croupi, elle ne me tire pas dessus. Waouh. Mais c'est génial. Mais t'es trop stylé. Aïe. Oh mais c'est génial. Mais t'es génial. J'adore cette pirate. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je l'adore. Mais regardez-la, elle est trop bien. Non mais... Aïe. Aïe. Wouah. Sac à PV, ma grande. Allez, mais arrête de me courir à travers, enfin. Hop là, raté. Oh là là, non, non. Non, madame. Ce combat palpitant. Waouh. Et je spook. Trop loin. Mais regardez là. C'est génial. C'est juste génial. J'ai une excellente vie sur ça, son encre. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Pourquoi ça fait chier? Allez, ramène-toi sur ton beau chapeau. Ce chapeau multifonction. Il est génial. Aïe 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 aïe. Tatatatam. Ça devient répétitif. Va falloir que tu innoves, hein, ma belle. Eh, trop tard. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez tous explosé comme ça? Avec des effets lumineux et tout. Sérieusement. Dernière chance, Risky. Laisse tomber. Ha. Tu arrives un peu en retard. Oui. Maintenant, je vais te présenter la phase finale de mon plan. Wow. Un ascenseur. Oui, tu m'emmènes où comme ça? Wow. Regardez. Mais regardez, oui. Regardez cette machine qui a une forme de tête de Risky. Mais c'est génial.
Qu'est-ce que c'est? La nouvelle dynamo améliorée. Mais c'est d'enfer! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais Tinkerbat a augmenté son potentiel de toutes les manières. Mon moment de victoire est arrivé. Regarde, pendant que je mets ton précieux royaume génie sans dessus dessous. Elle va ouvrir les portes du royaume génie. Je dois détruire la dynamo avant qu'il ne soit trop tard. Tinkerbrain. Dynamo de la destruction. Ok, comment tu fonctionnes, ma belle? Waouh! Au secours! Au secours. Au secours. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou... Oh, j'ai une idée! Ah! Ah tu perds des boulons, enfin des... non, des roues, carrément. Non. On court. C'est quoi les mécanismes? Tu peux m'aider? Est-ce que... excuse-moi, Tinkerbrain, est-ce que tu veux bien me renseigner sur... qu'est-ce que je suis censé faire pour te démolir? Ouais. Forcément, tu vas pas répondre. Non mais je comprends, hein. Ne t'en fais pas, c'est normal. Je serai à ta place, je répondrai pas non plus. Il manque un truc, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je suis une petite souris. Je me cache. Je suis paumé. Ah! Merci! Voilà, la solution venait d'elle-même. Je book! Il faut juste attendre. Il faut visiblement juste attendre. Ou alors il faut faire quelque chose en attendant, je ne sais pas. Ok, ouais, je vois. Faut faire tourner la roue dans un sens. Faut faire tourner la roue dans un sens. Faut continuer de la faire tourner dans un sens. Regardez, il y a les vis qui s'illuminent. Vous devez avoir compris depuis 3 siècles et moi, rien du tout, non? Ok, on peut se contenter de les taper normalement. Tout va bien, on a compris. Finalement, on va y arriver. Voilà, une fois qu'on a compris, ça va tout seul. C'était pourtant évident. Parfait. Ah bah là, tout de suite, ça va plus aussi bien. Hein. T'inquiète, hein, c'est dans ce sens-là que tu peux rouler. Je suis tellement en mode rien à battre. Ça va, je te fais pas trop choper des neurones, mon gros. On recommence.
Mais je vous le dis, magie limitée, c'est juste mieux. Allez, on arrive. Ta-ta-ta-ta-ta. On va se soigner un petit peu parce que faut pas abuser non plus. Miam! Et les mandats et les oranges, c'est bon pour la santé. Pouk! Vas-y, et maintenant, qu'est-ce que tu dis? T'as perdu les oreilles? Enfin, ce qui pourrait te servir d'oreille. Il m'a fallu 5 minutes pour comprendre. Oh putain. Ouh, on a eu chaud. Heureusement que j'ai fini par comprendre qu'il fallait le surcharger d'une manière ou d'une autre. J'ai désactivé la dynamo juste à temps. Et le royaume génie est sain et sauf. Laisse-moi deviner, c'était pas la vraie dynamo? Hein? Cette voix. Tu t'es battu, vaillamment et à temps accompli. Maman! Ou pas. Fille des génies, c'est toi! La voix de mon rêve! Tu t'es battu, vaillamment. Oui, je sais. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, les génies! Deux génies! Plein de génies! Pourquoi vous ressemblez toutes? De la part de tout le royaume génie, nous te remercions du fond de nos cœurs. Pas moyen! Est-ce que c'est le royaume génie? Malheureusement. Pardon? La corruption de notre magie a commencé. De faire le nécessaire, tu dois faire le nécessaire pour assurer la paix. Je l'ai finalement fait! Le véritable cœur du royaume de la magie, le pouvoir des génies sera à moi! Maintenant, fais-moi une offre. Soumets-toi à moi en tant que maître absolu. Quoi? Mais quoi? T'as pas perdu assez de neurones, toi? Oula, j'aime pas ça. Oh, elles sont devenues rousses! Mais c'est pas un bon signe. Qu'est-ce qui se passe? Non! Ça a marché! Le pouvoir des génies m'appartient! Et le monde s'inclinera devant moi. Je n'ai pas le choix avant que Riski ne s'empare de leur pouvoir. Il faut que je le fasse. Je dois détruire le royaume génie. Oups là. Il y a une faille, il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec. Qu'est-ce que je viens de récupérer? À moi! Ok. Ok, je comprends. Aïe! Je suis pas doué! Je suis la meilleure des génies parce que je ne le suis qu'à moitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut que j'aille taper qui? Faut que j'aille taper qui, dites-moi, toi. Ok, à nous deux. Tinker Brain. Ah non, raté! Le fail! À ton tour. Hop. Voilà, parfait. Non. La parade. La parade du dernier instant. Boum. C'est le moment de prendre un 4 heures. Heureusement, il me reste plein de steaks de croco. On remerciera le techno-baron plus tard.
Hook. Merde. Toi, t'es juste à côté. Oh, Hook. Fais tourner la dynamo. Fais tourner. Aïe. Tati, c'est là-bas. Vous êtes, ah oui, vous êtes 5. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'elle n'était que 5. 4. À qui le tour? Par contre, vous commencez à me faire mal, hein. Je vais devoir utiliser mes super pouvoirs d'invulnérabilité à force. Ah! J'ai jamais le bon timing, c'est compliqué. Oula, ça va être délicat. Vas-y, vas-y, arrête-toi. Voilà, pouf! On va attendre. Allez, encore un tour. Là! Ah non! Ah non, le fail! Ah non! Voilà, celui-ci, il passe par contre. Bouf! Avec la petite musique qui est toute calme. Pas une musique de boss, là, enfin! Oh non, mais non! Aïe! Bouf! Maintenant, on attend le bon moment. Et on balance! Bouf! Ah, presque! J'avais presque le bon... Ah non! Je suis trop mauvaise, au secours! Voilà, là ça passe! Non mais oh! À un moment, faut pas abuser, hein! Je suis une demi-génie quand même! Je suis une mauvaise demi-génie, mais c'est pas grave! Je suis surtout une polymorphe! C'est cette partie de la moi qui est la mieux! Bouf! Non mais je te jure! Espèce d'imbécile! Avorton fouineur! Tu as tout gâché! Mon plan! Mon plan parfait! J'avais presque tout! Mais maintenant, j'aurai la satisfaction de t'envoyer directement dans ta tombe ardente! Non mais... Je dois sortir d'ici! Viens avec moi, hamster. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Accroche-toi bien. Nous sommes en train de sortir d'ici. Dépêche-toi. Ok, donc j'imagine qu'il y a toujours moyen de réparer tout ça. Que ce n'est pas encore... Wouah! Ok, wouah! J'aime pas ces passages. Wouh! Oui! La glissade! Oui. Je sais pas de combien de mètres. Oula, 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 là! Chaud, chaud, chaud! On peut accélérer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça semble un petit peu. Oui. Hop, hop. C'est un peu chaud par ici. Un peu trop chaud à mon goût! La chaleur va mal avec mes cheveux. Nope. J'étais mauvaise. Voilà, fallait juste se laisser tomber en vrai. Voilà, la solution elle était là. Bon, là on va peut-être éviter parce qu'il y a le feu juste derrière. Hein. Ça glisse. Ça glisse. Ça chauffe. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud. Non! L'hésitation. L'hésitation mortelle. Allez. Crochet, les crochets. Oui. Ah, parfait.
Parfait, c'était juste à la fin, quoi. Oups, j'ai cassé la cachette de... Ok. Bon. Cependant, bah, y a un item dont je me suis pas servi, donc... Pfff, on a réussi. On a échappé belle, on a eu chaud. Merci pour le transport, Kai. Quelqu'un doit bien garder un œil sur toi. On dirait que c'est pour moi de sauver du mal une nouvelle fois. Et ouais, grâce à notre héros mi-génie. Ah, je n'aurais pas pu y arriver sans vous, les mecs. Attendez un peu. Attendez un peu. Monsieur le maire? Alors, Scuttleton est plus ou moins réparé et le poste de Génigata est encore à pourvoir. Êtes-vous en train d'essayer de demander quelque chose à Shantae, monsieur le maire? Bon, d'accord. Je ne peux penser à personne de plus qualifié que toi. Est-ce que tu reviendras assez vite, s'il te plaît? C'est comme si je n'étais jamais parti. Ouf, j'ai pensé que je devrais porter ce petit costume rouge et commencer à danser, tu sais. Mais qu'il est con! Ah, monsieur le maire. Donc, j'imagine que je ne vais pas avoir à faire ça, alors. Ouais, en tout cas, tout le monde passe le bonjour au nouveau génie gardien de Scuttleton. Yeah! Je pense que nous avions fait un excellent choix. Les enfants! Merci, mon Dieu, vous êtes revenus en un seul morceau. Lorsque j'ai vu l'éruption, j'ai peur de vous avoir perdu. Je vais bien, et c'est Quanlang et sauf, grâce à vous, les gars. Ouais, mais j'ai beaucoup aidé cette fois. Je me sens assez héroïque, vous savez. Je pense que je vais monter un dojo et commencer à entraîner la prochaine génération de héros. Faut rêver en grand. Voilà, voilà, voilà. Je vais partir aussi. Mes frères, Abner et Poé, ils pensent rénover cette vieille demeure dans le nord. Oh, comme c'est cool. Ouais, je vais les aider, mais après ça, eh bien, je pense que je vais chercher la caravane zombie et voyager un peu. Mon wagon me manque et je veux voir d'autres parties du monde. Et je veux que vous veniez avec moi. Un road trip zombie? Bien sûr, pourquoi pas. Laisse-moi y réfléchir. Prends ce Dookie. Hein? Le hamster de Poé. Mais je l'adore cette zombinette. Je ferais mieux d'y aller aussi. Je dois nourrir Molette et le nettoyer. Tu ne m'as jamais dit comment il est devenu aussi énorme. Quel est ton secret? C'est un régime spécial. Du caramel salé pour les oiseaux. Molette en est fou. Ah, je vois. Je pense que j'ai libéré un peu pour qu'il prenne un peu de temps avec sa famille. Connaissant Molette, il ne sera pas parti avant. Il ne sera pas parti longtemps. Il t'adore. Et je l'adore tout autant. N'est-ce pas, Molette? Molette n'est pas ici. Bon, maintenant on en parle de... Oh là là, quelle aventure tu as eue! Je suis désolé pour la dynamo, mon oncle. Non, non, c'est pas grave. Ça va. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Risquer d'utiliser la dynamo pour changer le royaume génie de bon à maléfique. Pendant un court instant, j'étais enfilé de là-bas au royaume génie avec eux. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Mais pour arrêter risqué, j'ai dû... Eh bien... Ils sont tous partis maintenant. Je suis désolé. Je sais que tu n'as fait que ce qui était nécessaire. Ce que tu as dû faire, tu comprends. Je suis sûr que ta mère serait très fière de toi. Nous sommes tous fiers d'elle. Quoi? Qui? Oui. Elle a agi généreusement en plaçant les besoins des autres avant les siens. Alors, le royaume génie est sûr? Oui. En purifiant notre magie et en la retournant contre la machine, tu nous as tous sauvés. Waouh, je crois bien que ton polarisateur a fait le travail, mon oncle. Ah d'accord. Donc en tapant sur les génies, j'étais en train de les purifier. Je savais pas que purifier quelqu'un, ça fonctionnait comme ça. En effet.
et ma mère, elle est en sécurité, elle aussi? Ta mère est en vie et en bonne santé au royaume Jinu. Elle a consacré sa vie à la protection de votre monde. Elle et les autres génies doivent rester ici, là où la combinaison de leurs pouvoirs est capable de repousser les pires fléaux. Car ceux-ci pourraient de nouveau chercher à pénétrer dans votre monde. C'est pourquoi elle a dû partir il y a si longtemps avec les autres génies. C'était pour nous protéger. Oui, pour que tu puisses grandir en toute sécurité, au bon soin de ton monde. Elle voulait que tu le saches, mais seulement lorsque tu serais assez grande pour comprendre le sens de son sacrifice. Je comprends. Je suis aussi passée par là. Elle veut aussi que tu saches que tu ne seras jamais seule. Il y a une magie spéciale, un cadeau qu'elle a placé sur ton cœur. Vraiment, ta famille n'est jamais aussi loin que ce que tu pourrais penser. Rassure-toi en sachant qu'elle est avec toi toujours et qu'elle t'aime beaucoup. C'est adorable! Et maintenant, je dois retourner au royaume, génie. Si vous voyez ma mère, dites-lui que je comprends ce qu'elle a fait pour nous et que je l'aime tout autant. Je vais lui dire bonne chance. Et à toi aussi. Allez, mon oncle. Où est-ce qu'on va? Célébrer, bien sûr. Et te chercher un nouveau hobby moins dangereux, surtout. Oh, ça me fait penser. J'ai récemment retrouvé les plans de quelque chose qui s'appelle un vélo. Pour mon prochain projet, je vais t'en fabriquer un. À quoi il va ressembler le vélo? Au secours! J'ai peur! Ok, ça marche, mon oncle. Attends-moi de pied ferme. À la prochaine, fille des génies. Au revoir et à bientôt. Et puis voilà, on a notre fin heureuse. Hein. Je vous laisse profiter de la musique parce qu'elle est géniale.